Ah, y'en a. Oh non. Il a eu le pocheur. T'as pas arrêté qu'un reste. Nice le reste. Turtle Squad, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Overwatch et on va parler de la nouvelle Mercy. Donc juste pour mettre les choses au clair, ce n'est ni un buff ni un nerf, c'est un rework parce que j'en ai vu plein sur Overwatch FR qui disaient que c'était un buff. Or un buff c'est quand tu augmentes les dégâts et un nerf quand tu les diminues, ce qui est logique. Et ici c'est un rework, donc ils l'ont carrément retravaillé tout simplement. Et je suis très contente de vous en parler. Mais aujourd'hui, puisque j'ai fait un petit live hier soir, on m'a demandé ce que j'en pensais, sauf que hier soir j'avais fait qu'une game avec parce qu'elle était instapique sur le mode de jeu Junkertown. Du coup c'était un peu compliqué, mais là à l'heure d'aujourd'hui j'ai mon opinion et je vous fais cette vidéo parce qu'il y en a plein qui voudront savoir ce que je pense d'Ange, étant donné que j'ai un peu moins de 200 heures avec sur toutes les saisons confondues. Du coup on va commencer sans plus tarder. Tout d'abord, qu'est-ce qui a réellement changé sur Ange? En fait c'est juste que maintenant on a comme capacité normale, donc avec L2, pour ceux qui sont bien sûr sur console, hein, sur PC, I don't know, qui sont sur sur PS4, par exemple, vous pouvez tout simplement aller raise votre pote toutes les 30 secondes. Donc ça, c'est une capacité qui renouvelle en fait le gameplay de Ange, dans le sens où son gameplay moins monotone et moins chiant, et moins... Parce que je sais, hein, y en a qui disent, ouais, regardez un gameplay Ange, c'est chiant. Mais écoutez, là, avec cette nouvelle mise à jour, je trouve que justement ça ramène du punch, genre ça change tout en fait. Parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez raise vos potes, donc vous avez un raise toutes les 30 secondes. Ce qui fait que en soi c'est vraiment bien parce que en vrai genre t'as pas besoin d'attendre ton ult et tout. Après, il y en a qui vont dire oui, mais la 5-res, nanana. La 5-res, la quad-res, toutes les res que vous voulez, c'était bien dans le sens où ça permettait peut-être de changer le cours d'un teamfight, de reprendre la position, de prendre un point, de win une game. Combien de fois on a win des games comme ça? Combien de fois les gens en face aussi ont réussi à win comme ça? Et ça, c'est vraiment un truc qui a énervé la plupart des joueurs, parce que quand tu fais par exemple, je sais pas, une main 5 avec ton Genji, et puis que t'as la Ange qui reste cachée, et qui vient, qui te fait coucou, et qui fait la 5-res, au final, vous vous faites tous défoncer, et vous perdez, c'est sûr que c'est chiant. Après moi, personnellement, Ange, j'ai adoré la jouer, ça vous êtes tous au courant, je pense, mais ce qui est bien, c'est que là, du coup, on peut reste toutes les 30 secondes, du coup, il n'y a pas forcément besoin d'attendre 40 000 ans avant de se charger un ult, vous attendez pas 30 petites secondes pour reste, et voilà. Après, pour ce qui est de son ulti, alors en fait, il y a beaucoup de choses à savoir sur son ulti. La première chose, c'est que quand vous faites triangle pour ult, vous pouvez voler. Donc, je m'explique, vous pouvez voler avec, avec L3, il me semble, sur console. Je regarde. Ouais, vous volez avec L3. Bon, après ça, c'est à vous de changer si vous voulez changer. Hein. Et ça, c'est un des trucs qui a été dur pour moi à prendre en main. Dans le sens où c'est genre... là tu mets ton joystick en haut, ça t'emmène genre dans les airs à 400 000 km, tu vois. C'est incroyable. Et du coup, moi, j'ai un peu galéré au tout début. Franchement, je vais pas vous le cacher, hein. J'ai un peu galéré au tout début avec ça, mais sinon ça a été. Et ensuite, donc vous pouvez voler. Pendant que vous volez, vous avez plusieurs options. Soit tu heal ton pote qui est juste en dessous de toi, qui crée un rayon qui va heal aussi les autres gens qu'il y a à côté de la personne que tu heal. En gros, ça vous fait un ulti Orisa sur une petite partie, une petite zone en fait. Donc la zone, je sais pas, elle doit pas être énorme. Ça doit être,
Je dirais peut-être la moitié de la zone de Lucio quand il est en heal ou en boost. Donc ça je sais pas du tout, je me suis pas renseigné. Mais en gros, soit tu heal et ça heal ton pote et ton pote heal tes autres potes, soit tu boostes les dégâts et ça fait la même chose, ou soit tout simplement tu peux voler et faire ta DPS. Ça, c'est encore une autre histoire. Et j'ai oublié pendant l'ulti aussi, tu peux raise toutes les 10 secondes et ton ulti dure 20 secondes. Donc, alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une technique à adopter avec Ange quand tu la joues. Parce que moi, hier soir, j'ai joué quoi? 3-4 games, voire 5 games, pas plus, sur Junkertown. Après, j'ai lancé direct en Ranked, j'ai passé mon diamant, je fais bon, écoute, je vais jouer Ange. Même si même s'il y a le patch, je sais que je vais bien la gérer et tout. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Du coup, hier, je l'ai joué en Ranked et en Ranked, comment? Parce que en Ranked, comment elle se joue? Alors en fait, il faut savoir qu'il faut privilégier les raids pour les gens qui sont plus importants dans la game. En fait, la dernière fois, par exemple, j'étais en train de jouer. Par exemple, il y a une Zarya et un Hanzo qui meurent. Je vais raise la Zarya. C'est totalement plus logique. Ça, il faut avoir en fait un esprit de jeu en mode, il y a deux personnes qui sont mortes, lequel va faire plus de dégâts, lequel va plus m'aider dans la game actuellement et tout pour pouvoir raise. Donc, une fois que tu as utilisé ta raise, forcément, tu dois attendre 30 secondes. Pendant les teamfights, comment utiliser son ulti? Justement, je vous avais mis un petit play of the game, même si j'ai pas été OPOTG. Bref, en gros, je vous ai mis une petite action au début de la partie. Ça explique vaguement ce qu'il faut faire, mais pas concrètement, parce que ça n'a pas été comme ça que le fight s'est entre guillemets déroulé. Dans le sens où, si jamais il y a un teamfight et que l'un de vos alliés meurt, voire deux ou trois alliés, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut en fait aller raise avec les 30 secondes, donc avec son L2. Donc tu vas raise ton pote. Au moment où tu raise, tu fais triangle, puisque ton cooldown se remet à zéro. Du coup, tu peux aller re-raise sous ult. Du coup, tu vas raise ton pote. Soit en fonction du teamfight, j'ai envie de te dire, soit c'est simple, soit il faut heal parce que forcément vous prenez trop de dégâts, soit vous boostez les dégâts parce que faut faire des dégâts, ou soit tu DPS. Logiquement, en ranked, dans les games comme ça, à part si les ennemis sont très 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 low, je te conseille pas de DPS et de voler, je te conseille plutôt de heal tes potes comme ça, au moins t'es sûr que tout le monde a de la vie et à la limite de booster les dégâts. Mais je te conseille pas de DPS comme ça, genre en mode coucou, c'est moi, j'arrive, je défonce tout le monde. Ça va servir à rien, tes potes vont pas être heal, ils vont peut-être crever et tout. Donc voilà. En gros, du coup, c'est juste ça la technique en fait qu'il faut adopter. C'est genre, tu fais ta raise, tu fais triangle, tu re-raise, tu heal un peu. Là, après, si quelqu'un crève encore, ton ulti dure 20 secondes, tu peux raise 10 secondes plus tard. Donc à la limite, tu peux faire 3 raises. Et une fois que ton ulti est terminé, tu peux en faire 4. Donc franchement, quand même, ça va. C'est vraiment fort. Je trouve que c'est vraiment fort. Après, le seul truc que j'aime pas, qui est chiant et que ça, j'y arrive pas. En fait, genre, tu vois, quand tu dashes sur l'âme de quelqu'un, pour aller le raise, faut vraiment être sur l'âme de quelqu'un et vraiment coller, en fait. Genre, là, le gameplay qu'il y a derrière moi, c'était une manche de ranked hier, en Elo Diamant. Tu verras que quand je vais raise quelqu'un, genre, faut vraiment être collé à lui. Genre, c'est incroyable. Il faut être collé, et en plus d'être collé, bon, parce qu'en gros, moi je me suis dit, ça va être comme la raise normale, tu vas dash, tu vas pouvoir raise. Non, faut être sur l'âme, et en plus, faut regarder l'âme. Ça veut dire que tu peux pas raise si t'es à côté, si t'es derrière, ou si tu tournes le dos en fait. Du coup, c'est un peu chiant, mais ça, c'est un truc à prendre en main aussi. Donc, en globalité, moi ce que je pense, c'est que cette nouvelle ange va faire très très mal, puisque en fait, c'est vraiment très cheaté. Genre, peut-être que vous êtes là en mode, ouais, il y a plus de 5 raises et tout, la nouvelle ange, elle va servir à rien. Mais genre, au contraire, genre, elle est vraiment puissante. Moi, je trouve qu'elle est vraiment puissante. Ça ramène un nouveau style de jeu. C'est bien pour les main, enfin, c'est bien pour les main anges qui en ont un peu marre du style, enfin, du jeu, en gros, du gameplay qui est monotone. Je sais pas si on dit ça comme ça, bref, on s'en bat les couilles. Mais dans le sens où moi, franchement, au début, j'étais la première à dire que c'était une mauvaise idée, à dire mais c'est nul, c'est nul, c'est nul. Et au final, je suis trop contente de cette nouvelle ange. Donc en tout cas, moi, j'aimerais bien savoir vous, ce que vous en pensez, etc. Bon, après, on a juste oublié un petit détail, c'est que je trouve à mon goût que cette solo res favorise de plus en plus la pharmacie, qui fait de plus en plus mal. Mais bon. Si vous avez des bons counters dans votre partie, la pharmacie, elle fait pas long feu. Donc voilà, n'hésitez pas
à me dire vous ce que vous pensez de cette nouvelle Mercy. En tout cas, moi je vous laisse et je vous retrouve très vite avec les clips numéro 3 que vous m'avez envoyé. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye.